Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur notre autre chaîne. Donc, merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Sea of Conquest. C'est un jeu de piraterie sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier votre bateau, vos cabines, et comment les mettre. Vous allez faut cliquer, il faut que vous ayez le bateau qui se trouve en bas à gauche, vous cliquez dessus, et vous allez voir toutes vos différentes cabines. Donc je les zoome un petit peu pour voir un peu plus de cabines, voilà. Plus vous allez grandir votre bateau, plus vous aurez de place de cabines, et vous pourrez les mettre où vous le souhaitez. En profiter, je peux installer. J'en profite. Voilà. Alors, vous aurez pas mal de cabines. Vous pouvez voir ici tout ce que vous pourrez installer. Voilà, tout ce que vous pouvez fabriquer, mettre comme cabine, différentes cabines. Voilà. Vous avez tout ça pour mettre dans votre bateau. Vous allez avancer dans le niveau ici, puis vous pourrez mettre de cabine. Donc là, espèce de cabine, vous voyez, vous montez à chaque fois, vous montrez de niveau. Donc, comment vous faites pour modifier vos cabines pour pouvoir les déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite et pour savoir où les mettre? Vous avez deux possibilités. Vous restez appuyé dessus, vous voyez, il y a une petite barre qui se met comme ça et vous pouvez déplacer la cabine pour aller autre part. Alors, quand vous êtes comme moi, vous avez toutes vos cabines qu'ils ont déjà mis partout, vous n'avez plus aucune place de libre, c'est plus difficile de trouver de la place. Alors, deux possibilités, soit vous avez ici, juste au-dessus à droite de chaque cabine, un petit rangement. Donc, c'est-à-dire que dès que vous appuyez dessus, hop, ça se met ici. Voilà. Vous pouvez ranger comme ça, voilà. Et après, vous sauvegardez. Vous voyez, elle est vide et elle s'est mise dans le bateau. Donc là, je rappuie dessus. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose avec toutes les cabines. Vous avez ça ou sinon vous avez ce bouton. Tout ranger. Donc c'est-à-dire que toutes vos cabines, voulez-vous continuer à ranger toutes les cabines vont aller en bas. Vous voyez? Donc voilà, il y a toutes ces cabines qui ont été mises là. Donc maintenant, c'est à vous de les replacer. Donc ça vous de replacer les cabines dans le bon sens. Voilà. Si vous appuyez sur sauvegarder, eh ben elles seront sauvegardées. Si vous appuyez sur non, ça va les remettre comme c'était au début. Voilà. Et c'est pareil, après pour modifier, vous mettez comme ça et vous déplacez. Voilà. Je prends celle-ci et je mets là. Et je sauvegarde. Toujours sauvegarder quand vous êtes sûr de savoir où mettre vos cabines. Voilà comment modifier vos cabines et comment les installer dessus. Donc c'est pareil, quand vous allez grandir votre bateau, ici vous voyez ça va se construire, vous appuyerez là-dessus, vous appuyez sur la cabine que vous voulez construire et il vous trouvera un endroit libre. Si jamais vous n'avez plus qu'un endroit à deux places et un autre endroit à deux places et que c'est un endroit à quatre places, il faudra déplacer des cabines en haut ou en bas. Ben, c'est pareil, vous cliquez dessus. Voilà, vous déplacez, vous là vous restez appuyé dessus et vous déplacez à l'endroit que vous souhaitez. Voilà. Et après vous sauvegardez. Par contre, après si ça vous va pas, vous faites non, ça reviendra au normal. Voilà. Donc il y a toujours comme ça pour pouvoir modifier vos cabines. Et pour placer vos cabines. Voilà. Pas aussi compliqué que ça. Donc soit vous pouvez faire une par une, à bien choisir. Ou alors le tout. Là, c'est utile quand vous avez tout le bateau déjà fait. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à replacer un petit peu les cabines qui sont un peu mal mises pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.